l'instrument. Même si je regardais pas, mon cerveau naturellement s'est tourné. J'ai dit, on est sur quelque chose de la tension, le suspense, tout était là. On est d'accord. Je m'excite pas pour rien. C'est eux qui m'ont fait mon adrénaline. Mais j'ai pas d'exploit, mais sur la sonne. Maintenant le son est bien. En fait, j'ai bien fait de mettre du bleu en bas. J'avais un doute à un moment, je me suis dit, est-ce que ça va pas faire genre comme une espèce de zombie, mais en fait, j'ai bien fait de mettre du bleu en bas là, tu vois. Du bleu, ça, ouais, moi, ça va. Ça a un petit côté, l'océan est sans moi. Oh merde. Du coup, tu prends quoi? Tu prends des gyoza ou des petits ramen? Et quand même. Depuis 10 ans qu'on se connaît. Alors, ramen et gyoza, c'est ça? Ouais. Le samedi. Là, déjà au salon de donner pas son. Il m'est arrivé tellement de merde que j'ai pas le temps de faire d'intro. J'en ai déjà au salon. Troisième jour. Voilà. C'est tout. Moi, c'est ce que je demande. C'est ça, moi je veux juste la qualité. Attends, moi je suis de ce côté, on est d'accord. Ouais. C'est pas classique. Je voulais tester le nouveau. C'est une démon classique. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on est là pour évacuer une frustration. Voilà. De sentir la manette. Il est temps de sentir la manette un peu. Désolé, vous m'attendez pas à gagner, donc je suis sur une scène d'émotion. Ah, bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Comment, vous avez un petit nom pour votre groupe ou pas du tout? Oui, Shingeki no Cosplay. Ok, Shingeki ok. Ouais. Les gens peuvent vous suivre sur Instagram ou pas du tout? Shingeki no Cosplay. Ok, bon, j'ajouterai ça en lien dans la bio, whatever. Ok, donc du coup là, ça fait combien de temps que vous faites du cosplay les gars? Même pas 6 mois. Toi ça fait 6 mois toi? Moi ça fait depuis 2015. Ah oui quand même, et toi? Moi 2015 aussi. Ok. Moi je cosplay qu'en convention. Et ça fait combien de temps que tu le fais du coup? Allô? J'ai fait 3 conventions. Bah c'est bien. Depuis quand? Et toi? Le mec il était depuis 3 ans. 3 ans? D'accord. Et en gros, comment est-ce que vous êtes arrivé au cosplay? Qu'est-ce qui vous a fait commencer le cosplay? L'élément déclencheur, si on veut. Elle. Ok, donc c'est elle qui a commencé. Toi, qu'est-ce qui t'a fait à... En gros, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ça, je vais absolument le faire, c'est mon truc? Il y avait un personnage que j'aimais bien, je voulais lui ressembler. Ouais. J'ai fait, et après, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une commune de gens qui faisaient ça. Ah, ok. Et toi? Moi, c'est à peu près pareil. Je voyais des personnages que je trouvais stylés. Je me suis acheté des vêtements dans la vie tous les jours que j'aimais bien qu'ils avaient. Ouais. Ah, et toi? C'est mon meilleur ami et c'est une star, du coup je suis obligée. On est sur un kidnapping là, on force un petit peu. Pourquoi elle a commencé le coup? Le confinement, je m'ennuie. Ah ok, bah, c'est, ça peut aider dans les moments d'ennui. Et toi? Moi j'avais entendu parler d'une convention. Ouais. Je me suis demandé les activités qu'il allait avoir là-bas, et du coup tu l'as fait. Ok, d'accord. Alors maintenant on va poser des petites questions qui fâchent. Un. Selon vous, quel est l'animé surcoté? Mm-hmm. Ah,
On ne juge pas, ok, on est pend... Là, c'est des 5 minutes joker, personne ne juge personne. J'ai pas compris la même réponse. Je regarde pas assez d'animes pour ça. D'accord. Il n'y a pas un seul animé que tu as vu, tu t'es dit, je viens de perdre mon temps. Amnésia, mais pas par rapport à ce qu'il était sur. Mais vraiment, juste, voilà, c'était. Ok. Je pense que j'ai pas regardé assez d'animés, mais il y en a qui me. Il y a trop de hype autour et ça me saoule, du coup, je n'ai pas envie de regarder en fait. Un exemple ? Naruto. Ok, je ne juge pas. Je ne juge pas parce que moi qui étais hypé dedans, eh ben j'ai été blessée au final. Donc t'as bien fait d'éviter. T'as bien fait d'éviter. Eh, instinct de survie. On appelle ça l'instinct de survie, littéralement. Et toi ? Bah clairement j'en ai un et on est d'accord tous les deux. Ah. Oh, ça. On blesse des gens. On a blessé des gens. Il y a eu deux mains sur. J'arrive à vous. J'arrive à vous. C'est un petit côté, c'est le shonen de base. En fait. Voilà. On ne juge pas, on ne juge pas les goûts des gens, on ne juge pas. Et toi ? L'attaque des titans. Il y a des déclarations de guerre ici. Non, mais c'était une blague. Mais oui, mais... je sais pas. On gardera l'attaque des titans du coup sur le montage. Et toi ? Moi, en vrai, j'ai apprécié l'animé, mais je trouve que ça... Il y en a qui méritent plus de... De hype que ça ? Voilà, de qui ? Je veux des aventures. Ok, on est sur des choses sérieuses là. Ensuite, du coup, nous faisons l'inverse. Quel est l'animé pour vous qui est sous-coté, qui devrait avoir un public de fou mais qui ne l'a pas? Ah, pardon? Ok. Ok, je prends note. Ok, merci. Hell girl. Ok, et toi? Je pense que je vais partir. Un manga parce que l'animé est bof. Ok. Et Tokyo Ghoul mérite vraiment beaucoup plus d'attention. On est d'accord. Serre-moi la main. Voilà, une vraie. Ensuite. Dororo et Vinland Saga. Je suis d'accord pour Dororo. Et... Je suis tout à fait. Mais vous êtes géniaux en fait. Je savais que je devais vous rencontrer. Et toi? Je suis d'accord pour Vinland Saga. J'ai regardé les 4 premiers épisodes, mais. Je suis d'accord. On est d'accord. Et ensuite Moi, c'est un Bungo Stray Dogs. Ok. Je vois. Oui, je confirme. Et toi ? Je sais pas, j'en ai pas regardé assez. T'en as pas regardé assez, toi non plus. Mais il faut déteindre sur elle là, faut les sauver. Faut les aider là. Hein ? Ensuite. Ok. Si vous deviez écouter à jamais un seul générique d'animé. Akuma no Ko. Ok. Ensuite. Moshimo de Naruto. Ok. Mais c'est vraiment une chanson que j'écoute. Ok. Fire de Queen. Mais toi là, je t'apprécie, hein. Mais vraiment. Oh, anyway. Et toi? Mon cœur est partagé. Mais je suis d'accord avec Gaïane. Oui, vraiment. Ok. Akuma no Ko. Ok. Red Swan. Ok. Oh, franchement. Et puis vous, vous êtes. Akuma no Ko. Ah, ok. Moi, je dirais l'opening d'Amnésia. Ah, non, attends, Amnésia. Parce que t'as écrit. Oui. Ah, l'opening, l'opening d'Amnésia. Ensuite, êtes-vous des gamers ici? Oui. Oui, très bien. Alors, quel est le jeu dans lequel vous vous êtes beaucoup trop investi au point de ne pas assumer le nombre d'heures accumulées sur la console ou sur le PC? Il y en a deux. Ok. The Last of Us. Je ne juge pas. 2077. Oh, ok. Cyberpunk, il paraît que c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux et c'est super bien. Ok, d'accord. J'attends encore. Mais je verserai. Sur PC, tu vois, ça marche très bien. Il reste... Ah oui, ok. Et toi, est-ce que tu as une suggestion? Ok, d'accord. Ok. Et toi? 2 sur 3, Wild Hunt. Je ne juge pas, je comprends. Mais moi, vas-y, c'est vraiment Mario Bros. Hein. Je joue tout le temps. Non. Toute ma vie, je fais que ça. Non, mais je joue. En fait, même pas Mario Bros, tous les Mario en général. Mais oui. Écoute, on va pas me demander combien d'heures j'ai passé sur le Smash Bros. Ok, on va pas en parler. Ok, du coup, je ne juge pas. Je te comprends tout à fait. Et toi? Assassin's Creed. Mais. Vous êtes témoin. Depuis tout à l'heure, là, il y a un lien. On est d'accord. Anyway. Et toi? Moi, le jeu qui m'a embarqué il y a quelques semaines et vraiment depuis, je m'en l'ai acheté, c'est Valorant. Ok. D'accord. Et toi? Moi, je suis incapable de finir un jeu. Ouais. Mais? Spider-Man et Assassin's Creed.
Non mais les valeurs sûres, les valeurs sûres, les valeurs sûres, mais, tout à fait. Mais j'en ai fini zéro. Je ne juge pas, je comprends. Moi, je finis toujours coincée dans des trucs où tout le monde passe facilement, donc je vais pas te juger parce que je suis dans la même sauce. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui voudraient venir pour la première fois en convention mais qui ont peur et qui sont seules? Apporter de l'eau. De l'eau. Faire une petite convention. Et ben, n'y arrive pas parce que c'est nul quand on y va. Commencer les petites. Ouais, commencer par les petites. Ok, ok. Sinon, c'est ouvert en ligne. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Commencer par une petite et amener de l'eau. Amener de l'eau, c'est vrai. Allez-y en groupe. Allez-y en groupe. Ouais, allez-y en groupe. J'ai cosplayé parce qu'on est plus à l'aise, les gens sont sympas avec nous. Ouais, ah, les gens sont plus sympas quand vous êtes cosplay, vous trouvez? Ah ouais, en convention, ouais. Il y a plus d'interaction en fait. Dans les transports en commun, pas trop. Ah, ok, oui, dans les transports en commun. Prenez un Uber, voyagez, vous venez avec vos parents, je sais pas, ouais. Prenez un Uber ou la voiture. Ok. Voyagez avec les gens. Ah, en groupe, c'est mieux. Pas en trop grand groupe non plus. Mais au moins, quelques... passe tout seul, quoi, c'est ça? Voilà, 5, 6, 7, ça, c'est cool. Ah ok. Est-ce que vous trouvez que généralement l'ambiance est plutôt bon enfant dans les conventions? Que c'est un espace safe quoi? Oui, niveau safe. Ok. Et de toutes les, tous les salons que vous avez pu faire, c'est lequel que vous préférez pour l'instant? La Fantasia Room 2000. Ouais. La Art to Play. Art to Play? Another Convention. Ok, ok. En tout cas, déjà il y en a quelques-unes que j'ai pas fait là. Je prends note. Comme quoi c'est utile d'enregistrer en fait. J'ai même pas besoin de prendre des notes. Mais en tout cas, sachez-le, pour moi, c'est un plaisir de vous avoir rencontré. Voilà. Et si vous avez une suggestion d'animé pour cette année 2022 déjà bien entamée, ce serait quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous. Hein. Est-ce que vous auriez un animé à suggérer, que... à conseiller pour quelqu'un qui commence? Ok. Ok, Banana Fish, ok. L'attaque des titans et Gambling Spring. Ok, ok. C'est super connu ça quand c'est vous. Oui, mais bon, c'est les Naruto, les là-bas. Un caillou, l'attaque des titans, sinon je sais pas, je pense que c'est pas un classique Naruto. Un classique Naruto. Ok, ok, I see you. Regardez Yu-Gi-Oh! Nous, voilà une vraie! J'attendais depuis tout à l'heure là, je me disais, mais personne ne cite mon voilà, bébé! C'est comme ça. En plus, tonton est décédé il y a pas longtemps. Je sais. Attends, Yami ou c'est toi? Non, le créateur de Yu-Gi-Oh! Non, mais Yami ou c'est? Bah, Yami, wesh! Mais c'est tôt! Mais c'est tôt! Mais c'est tôt! Mais c'est tôt, fini quand même dans ma cave! Tu vois? J'ai un amour pour lui! Mais Yami m'a séduit, tu vois, dans ma jeunesse! Hop, il est là! Il est là! Ok, ok, je ne juge! Écoute! Écoute, il faut. En même temps, j'ai envie de dire, imagine si on était sur le même homme. Ça poserait des problèmes. Tu vois, on est le yin et le yang. Je mange le beurre, tu prends la confiture. Tu vois, on est. Mais en même temps, on se complète. Mais c'est ça! Eh, le lien est là, le lien est là. Anyway, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais continuer à m'enflammer toute seule. Vu qu'on a commencé à glisser sur Yu-Gi-Oh! Anyway, en tout cas, ce fut un honneur. Vous faites tous les jours? Vous avez fait tous les jours? Ouais. Ah, vous avez la foi, hein, vous avez, je vous respecte, hein, parce que moi mes pieds là ils sont en décomposition. Mais t'inquiète pas, moi aussi, c'est pour ça qu'on fait l'interview à 6 là. Non mais on, je vous soutiens dans votre épreuve. Et demain vous vous êtes déguisé en quoi du coup? Evelyne de League of Legends, mais version PS. Ah ok, et toi? Sophie du Château. Bah le, mais vous êtes géniaux. Et toi? Je fais toujours Eren Jaeger, mais une version PS. Ok, et toi tu vas déguiser en quoi demain? Oh, Itachi Uchiwa. Toi, tu veux finir dans la cave de quelqu'un, toi, vraiment. Hein. Fais attention, fais attention. Non, mais fais attention. Vraiment, c'est. Voilà. Et toi? Mais vous deux, vous voulez finir dans les caves, en fait. Dis non, mais dites-le si c'est votre intention. Parce qu'il y a des gens qui sont séquestrés pour moins que ça, à titre d'information. Et toi? Je remets Jean, mais avec l'équipement que je mentionnais. Oh. Et toi? Demain? Oui. Je vais faire un Mikasa en entraînement avec le short, la petite brasse. Ouh, ok, ok, ok. On est sur quelque chose de. On est sur quelque chose d'épicé là. On est. Ouais. Ok, tantine. Ok, I see amis, you. Ok, bah en tout cas, je suis heureuse de vous avoir rencontré, vous tous. Halli, hallo, hallelé, petite créature divine. Comment vas-tu? Ça va. Alors, comment c'est. À chaud. Écoute. Prenons la chaleur plutôt que le froid. Ouais. Hein, ouais. On est au mois de juillet, on est quand même supposé cuire un peu. Ouais. Un minimum. Ouais. Alors, comment se passe ta Japan Expo pour l'instant? Eh bah super. Ok. C'est mon deuxième jour là. Ok. Et du coup, top.
top avec les copains, avec la famille, ils sont là. Ouais, bah écoute, ils sont partis et ils sont demandés des petits cosplayers, c'est normal, ouais. C'est normal. Petite question, depuis combien de temps tu participes à tout ce qui est cosplay et convention? 11 ans. On est bien, on est sur un... Ouais, ça date du lycée. On est sur quelque chose de sérieux. Ouais, fin du collège, début lycée. J'ai 26 ans, 10 piges. Oh, ok. Nous validons ce style de vie. Très bien. Petite question du coup, numéro 2, quelle est la série, quel est le manga ou la série animée qui t'a fait glisser dans l'univers du manga? Sailor Moon, l'original. On est tombé sur une valeur sûre, ladies and gentlemen. Elle vient de gagner 10 points. Merci beaucoup, merci, très bien. Et... personnage préféré, suspense. Quand j'étais petite, c'était Sailor Mercury et maintenant c'est Sailor Pluton, la best. Elle a choisi Pluton. Et même si c'est plus une planète. Ça reste une planète. C'est pas parce qu'elle n'est pas cute pour tout le monde qu'elle n'est pas cute. Elle est cute pour certaines personnes et pour moi c'est le cas. Très bien ma doudou. Et maintenant nous allons commencer à poser les questions qui fâchent. Hein. Are you ready? Hein? Ouais. Alors, quel est tintin à l'animé surcoté? J'aime pas du tout. En fait, je comprends pas le délire autour de One Piece. J'y arrive pas. Je vais me faire tellement d'ennemis, mais c'est pas grave. Genre, si vous aimez, cool, mais moi j'y arrive pas avec One Piece. Ok. Là, t'as essayé, au moins. Ouais, j'ai essayé. Ok, bon, donc tu fais pas partie des gens qui crachent dessus sans avoir tenté. Non, tu peux ne pas aimer. On ne juge pas les goûts. Nous validons. Parce qu'on a marre des gens qui crachent sur les séries sans avoir regardé, là. Merci. Oui, si vous vous sentez visé, je parle de vous. Bref. Ensuite, quelle est la série sous-côté? Waouh. La série que tu dis, elle devrait avoir plus de visibilité, il devrait avoir une hype dessus. Pouah. J'ai un peu lâché les animés récemment à cause du boulot et de l'école, mais en manga, il y a une série que j'adore, mais c'est très personnel. Oui. C'est Tombé du ciel chez Meian Edition. Oui. Très sympa à aller lire. Oui. 16+, mais très sympa. Écoute, dans le public, il y a des enfants, il y a des adultes. Ça, c'était pas pour les enfants, ils vont comprendre. Passons à autre chose, évoluons. Mais nous notons l'information. Moi, j'ai plus de 18 ans, donc je note. Je t'aime beaucoup, hein. Je sais pas si je te l'ai dit, mais je t'apprécie. Moi aussi, je t'aime. Anyway, ensuite. Pour les personnes qui aimeraient faire des conventions, mais qui sont seules ou qui ont peur, qu'est-ce que tu leur conseillerais comme chose à préparer si elles doivent faire leur première convention seule? Ma première convention seule, oui. Je l'ai préparée, j'avais des plans, j'avais des listes de gens à aller voir, j'avais... repérer toutes les sorties de secours et les postes de secours. Oui. Parce que je suis une grande filée. Mais non, je crois que le plus important c'est d'avoir l'air sûr de soi parce que tous les gens qui ont envie de faire du mal aux autres, ils vont chercher les gens qui ont l'air d'avoir peur. D'accord. Donc faut y aller avec la confiance en soi d'un ours contre un être humain. Genre tu sais que tu vas gagner. Tu sais que tu peux t'assurer. Tu vas avec juste l'envie de passer du bon temps. Tu gardes quand même bien ton sac à dos près de toi. Oui. Tu parles pas aux mecs chelous. Non. En général, tu vois. Ouais. Et tu t'amuses. On est d'accord. Tu croises des cosplayers d'un animé que t'aimes bien, genre tu vas dire genre c'est cool. Et si t'engages la conversation avec les spasiens, tu restes avec eux et puis tu vas ailleurs et puis tu fais ta petite vie. Parle aux gens sur les stands, parle aux gens que tu croises, genre franchement c'est cool. On est d'accord. Est-ce que tu joues? Ouais. Ok. Si tu devais avouer au commun des mortels, quel est le jeu auquel tu as joué un peu trop et dont tu ne nous donneras pas des heures, mais au fond de toi tu sais que tu as un peu abusé sur des heures, ce serait quel jeu? Ah, ce serait totalement Xenoblade Chronicles. Là, je plaide coupable. Je l'ai eu sur tous les supports, j'ai 300 heures sur chaque support. Là, je vais me le refaire une quatrième fois sur Switch. Ok, nous sommes sur une fan. La grosse fan. D'accord. Je suis en train de me refaire le 2 là parce que le 3 sort à la fin du mois. D'accord. Non, je comprends. Mais c'est pour les faibles. Ah, ok, carrément. Faut pas tacler les gens qui aiment dormir. C'est là. Ouais, non, mais. On s'est comprise. Quand même. On s'est comprise. Quel est le personnage dans une série
un animé ou même série télévisée si tu veux, ok, secondaire que tu aimais plus que le personnage principal, qui t'a marqué au point de te dire en fait là je regarde la série mais pas pour le personnage principal mais pour le petit tonton là sur le côté là, tu vois. J'adore la série Lucifer et dans la série Lucifer il y a la médecin légiste Ella. Elle est cute. Et ça, non, la main. On est ensemble. Non mais, on est d'accord. Ella. On est d'accord. Ella. On est d'accord. Mais cette meuf, elle a. On est d'accord. Franchement, Ella, si tu m'entends, on t'aime. Bref, non. Moi, j'avoue que moi, je suis une grosse fan de la série aussi. Du coup, ça me fait plaisir que quelqu'un parle enfin de Lucifer ici dans les lieux. Mais Il y en a un. Un que je voulais dire de Lucifer aujourd'hui, il est là. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu. Moi, je ne l'ai pas. Il est très sympa. Ah oui. Ouais. Ok, ok. Il pourrait finir dans ma cave. Je réfléchis. Anyway, il faudra juste que je vérifie s'il est célibataire. Mais bon. Je crois pas. Oh là là. Pourquoi je jure de rien, mais je crois pas. Pourquoi tu casses mon groove comme ça? Ah, ouais, ok, je te pardonne. Mais c'est bien parce que c'est de toi. Hein. Bien parce que c'est de toi. Anyway. Et pour toute personne qui voudrait commencer le cosplay, quels sont tes conseils? Eh bah tu commences par ton placard. Ah. Tu commences par ton placard. Attends, je montre. Ok, ok, d'accord, ok. Tu fais pas compliqué. Ok. Tu choisis un perso que t'aimes bien. Je crois que le premier costume que j'ai fait, c'était pareil, du Sailor Moon, les uniformes scolaires, une petite chemise, une petite jupe. Mm-hmm. Voilà, bon, t'achètes la perruque. Non mais laisse. Ouais. T'achètes la perruque sur internet et puis tu t'amuses. Non mais t'as raison. Mais tu commences simple. Quand tu sais pas coudre, tu commences simple, tu commences par ton placard. Si t'as appris à coudre, ouais, tu commences par un truc où tu trouves le patron qui est déjà tout fait et puis tu t'entraînes beaucoup. Ouais. Et un jour, tu vas devenir le roi ou la reine de la couture avec ta machine et tu vas pouvoir t'éclater. Ah, on est d'accord. Et là, du coup, t'es à quel niveau? Tu considères que t'es où là? Là, aujourd'hui, j'ai eu la flemme, je suis retournée il y a 10 ans en arrière parce que... Non mais écoute, à un moment, on est au troisième jour, les pieds font mal. Ouais. Non mais je pense... Mon niveau, je me pense intermédiaire plus. Ouais. Parce que ça fait quand même un paquet de temps que je suis dans le truc. Donc du coup, la couture, déjà, ça y est, ça commence à... Ouais, c'est la grand-mère qui m'a toi pris. Ah, ok. Non, on est sur quelque chose de sûr, là. C'est bon. Ouais. T'es là, tu te minimises, en fait. La couture, c'est le bail qui fatigue tout le monde. Tu as tout à fait raison. Non, en fait, c'est pas la couture qui fatigue. C'est de dessiner les patrons et de les couper. Et de les épingler. Parce que coudre, ça va vite. C'est vrai. Quand t'as le plan, c'est bon. Ouais. Mais le plan, le faire, c'est chiant. Ah, ouais. Heureusement, maintenant, il y a des gens qui vendent des patrons. Ouais. Oui, je fais partie des gens qui achètent le patron, il y a quoi? Ne me jugez pas. Et donc, du coup, si tu devais suggérer un jeu et une série animée, même vieille, que tu considères, qui est indispensable dans ta culture personnelle, lesquels sont-ils? Jeu 1 et puis série 2. Le jeu qui m'a le plus retourné la tête quand j'étais petite, à égalité, c'est ça le problème, c'est Ocarina of Time, le grand classique. Base. Et Final Fantasy VI. Merci. Ce jeu défonce tout, je veux rien savoir. Merci. On est d'accord. Et en série, même ancienne, hein. Bon bah Sailor Moon parce que voilà. Ouais. C'est pas overrated, c'est pas connu, c'est juste trop bien. C'est, non mais c'est... Voilà, on est sur une maîtrise. Moon, le girl power en 2022, c'est super important. Voilà. C'est ouais, et puis la solidarité féminine, le soutien mutuel, le passage des moments difficiles together forever, tomber sur le champ de bataille ensemble et à être cute même dans la chute. C'est ça, c'est Sailor Moon, excusez-moi. Je me suis laissé emporter, excusez-moi. Tout va bien. Anyway, c'est bon. Je compte sur toi pour me donner tes réseaux sociaux, je mettrai ça en barre d'infos et puis sur la photo ici quelque part, là, dans les coins, hein, on pourra aller voir tes petits costumes salade, tomate, oignon. Demain, tu nous fais quoi comme costume? Demain, je vais faire un truc qui est pas très officiel, c'est un concept art en artbook de Xenoblade justement. Oui. Le truc le plus léger pour faire face à la canicule, Charla en maillot de bain. Charla en maillot de bain. Bon, il faut qu'on se croise alors, hein, parce que ça c'est obligatoire. Hein, avec mon canon à eau. Oh mon dieu, tu pourras me balancer un peu de... Ouais, je pourrais te rafraîchir. Oh mon dieu, mais je t'apprécie, tantine. Mais je t'apprécie. Anyway, allez la suivre sur Instagram. Merci beaucoup.